Avez-vous déjà vu Bienvenue des organes qui accueillent un nouveau venu? Oui, c'est ça, merci. Bon, comme vous le savez, je vais assurer la fonction de nouveau cœur dans cet organisme. Il est évident que certaines choses vont changer. Ainsi, le temps de digestion sera désormais limité à 1h30, très exactement. L'alcool sera strictement prohibé. Oui, c'est à vous que je parle, le foie. Ainsi que les graisses, le sucre. Oui, rein numéro 2. Je pense parler au nom de tout le monde. Et on veut pas de vous ici. Je vote pour le rejet. Qui est avec moi? Bien, je pense que le rein numéro 1 sera bien suffisant pour assurer seul les fonctions rénales. Rein numéro 2, vous êtes viré. Mais non, allez, tout le monde, on avait dit. Maintenant, oui. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Un rejet de rein pour une greffe du cœur, j'ai jamais vu encore ça. Avez-vous déjà vu? Qui c'est qui s'y colle? Ah bah c'est toi! D'accord. Des organes qui jouent à cache-cache. 43, 44, 5, 6, 47, 48, 49, 50! Attention, je vais vous trouver! Vous êtes là! Ou alors là! Bah, juste, ils sont où? Oh non, ils sont quand même pas... Non, alors ça... Ouais, je suis désolé, si c'est ça, c'est pas du jeu. Non, on avait dit pas dehors! Maintenant, oui. Non, c'est pas du jeu, là. Avez-vous déjà vu? Allez, il va bientôt arriver. Dépêche-toi avec les intestins. Oui, bah, ils vont pas s'accrocher tout seuls, non plus. Des organes qui préparent une fête. Bon, tout est prêt. Mange pas toutes les chips au cholestérol, toi. Ça y est, il arrive. Bon, on va se cacher dans les bras. Non, pas le temps. Allez, on éteint. Y'a quelqu'un? Ouh. Allô? Ah bah d'accord, merci l'accueil. Surprise! Vous êtes con! Mec! Ah bah zut! Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? Alors, qu'est-ce que c'est? Des oursins qui font des ombres chinoises. Comment ça s'appelle déjà? Une châtaigne! Eh ouais, c'est ça! Ouais, c'est ça! Ok, à mon tour. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un dur celui-là. Alors attends, c'est un... C'est un grand... Ah, c'est un... Mais non, regarde là. Un marron? Un marron! Ah, pas loin. C'est pas un marron? Ah non, c'est l'acteur là, celui qui joue. Non, avant, t'étais pas loin. Non? Bah non, je vois pas. Bah c'était une châtaigne. Ah ouais. À moi. Maintenant, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Une châtaigne! Ouais, c'est ça. Avez-vous déjà vu? C'est naze ici. Des poissons en discothèque. Non, j'ai dit, c'est naze ici. L'ambiance est naze. Non, mais attends, on est mal placé là. Viens, aide-moi 2 secondes. Bon, et après? On n'est pas plus avancé? Je dis, on n'est pas plus avancé! Si, tu vas voir. Attends, 5, 4, 3, 2... Maintenant, oui. Oui. Avez-vous déjà vu... Non. Des portes pipelettes. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? Des poussins choristes.
Maintenant. Avez-vous déjà vu des putois dans un ascenseur? Qui a fait ça? Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? Deux aspirateurs qui dînent chez Pietro. Et maintenant, si, non? Avez-vous déjà vu? Je suis un petit peu nerveux, chérie. J'espère que ça va bien se passer. Allons, ne t'inquiète pas. Mes parents ont l'esprit très ouvert. Du papier toilette invité chez ses futurs beaux-parents. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Arnaud? Bah, en ce moment, principalement, j'essuie des... Mais c'est provisoire. Arnaud veut monter son entreprise. Oui, je comprends. Vous devez en avoir assez de bosser dans... Arnaud a 11 frères et sœurs. Oui, c'est ça, 11, oui. En même temps, vous savez, moi aussi, hein, mon premier métier, c'était un peu un boulot de... Papa. Bon, eh bien moi, je vais finir la vaisselle. Si je peux vous aider, madame, je... Oui, vous pouvez toujours m'aider à torcher les assiettes. Non, essuyez, je voulais dire essuyez. Oh, merde. Maintenant, oui. Oh, fais chier. Grozilla à la mer. Godzilla. Godzilla. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Maintenant, oui. Godzilla. Avez-vous déjà vu? Oh, c'est rien du tout, juste un petit coup de fatigue. Alors vous allez prendre une demi-tonne de Calmox matin et soir. Et puis il faut que vous arrêtiez de détruire tout le temps des immeubles comme ça. Prenez un petit mois de vacances, mon Dieu. Godzilla à la neige. Alors, c'est votre première leçon, ça va, c'est bien. Godzilla. Bon, l'esquive bien parallèle. Plantez de bâton, l'un, puis l'autre. Fléchis bien les genoux, petite impulsion, puis on y va. Godzilla. Peut-être on voit le chasse-neige demain. Maintenant, oui. Godzilla. Avez-vous déjà vu? Oh, c'est rien du tout, juste un petit coup de fatigue. Alors vous allez prendre une demi-tonne de Calmox matin et soir. Et puis il faut que vous arrêtiez de détruire tout le temps des immeubles comme ça. Godzilla, écrivain. Et nous recevons ce soir Godzilla, auteur du roman Godzilla, 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 événement de cette rentrée littéraire. Alors tout d'abord, Godzilla, bonsoir. Godzilla. Alors dès les premières lignes, on est frappé par un style puissant. Je vous propose d'ailleurs de les lire. Nous vous écoutons. Godzilla. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Maintenant, oui. Godzilla. Avez-vous déjà vu la cérémonie des Onknus d'or? Objet non conforme aux normes de sécurité. Les nominés pour l'Onknus d'or dans la catégorie du jouet le plus dangereux sont Kalinou, l'ourson à retardement, la panoplie Marie Curie, et enfin mon premier piège à loup. L'Onknus d'or est attribué à Kalinou. Merci. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? La chasse aux bonshommes de neige.
maintenant, oui.